Bonjour et bienvenue à notre célébration en ce deuxième dimanche du temps du carême. Nous voyons Jésus actuellement dans la liturgie de ce dimanche en route vers Jérusalem et celui-ci prépare ses disciples à la grande épreuve qu'ils devront vivre puisque, évidemment, il va leur dévoiler un peu qui il est davantage et ce vers quoi il se dirige, c'est-à-dire vers la croix. Alors, frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de Dieu, notre Père, et la paix de Jésus-Christ, notre Seigneur, soient toujours avec vous. Chers amis, en cette année du 375e anniversaire de la fondation de Ville-Marie, l'Église qui est à Montréal veut profiter, comme vous le savez, du carême pour évoquer l'élan missionnaire des hommes et des femmes qui ont participé à la fondation et à la réalisation de ce qui allait devenir notre ville. Prenons quelques minutes, si vous voulez bien, pour rappeler la figure de Paul Chomedé, sieur de Maisonneuve, le fondateur de Montréal, alors que la semaine dernière, nous sommes penchés davantage sur les figures des Récollets et des Jésuites. Alors, si vous voulez bien vous asseoir pour quelques minutes. Paul Chomedé, sieur de Maisonneuve. Après la lecture des relations des Jésuites, ce jeune officier français de 29 ans souhaite participer à l'évangélisation de la colonie de la Nouvelle-France. Il rencontre Jérôme Leroyer de la Dauversière, cofondateur avec l'abbé Jean-Jacques Ollier de la Société Notre-Dame de Montréal, qui en reconnaît les grandes qualités humaines, militaires et spirituelles. Il le choisit pour fonder la colonie sur l'île de Montréal. Monsieur de Maisonneuve part du port de La Rochelle le 9 mai 1641. Il monta dans un vaisseau avec 25 hommes et Jeanne Mance dans un autre avec 12 hommes. Le 17 mai suivant, il fonda officiellement Ville-Marie, Montréal, et tout le monde participa à une messe que présida le père Vimont sur l'actuelle Pointe-à-Calière. En décembre, le fleuve Saint-Laurent est sorti de son lit. Les eaux se rendirent jusqu'à la porte du fort, puis se retirèrent le 25 décembre. Alors, Ville-Marie retrouve le calme et la sécurité. Ayant fait une promesse au Seigneur, de Maisonneuve va planter une croix au sommet du Mont-Royal le 6 janvier 1643. Au printemps 1651, les attaques des Iroquois pour stopper la colonisation se font tellement fréquentes que les habitants de Ville-Marie croient leur fin arrivée. De Maisonneuve demande à tous les habitants de se réfugier dans l'enceinte du fort. En automne de la même année, la colonie de Montréal est si réduite qu'à l'instigation de Jeanne Mance, il doit retourner en France pour recruter des volontaires. Il revient à Montréal 2 ans plus tard avec une centaine de personnes, dont Marguerite Bourgeois, qui met en place l'enseignement dans la nouvelle petite ville. Cette grande recrue va assurer la survie de Montréal. Si l'effort du sieur de Chomedé avait échoué, Montréal aurait certainement été abandonné. Avec le temps, la colonie s'est développée et est devenue assez populeuse pour résister à la menace iroquoise. En septembre 1665, de Maisonneuve reçoit de l'intendant Alexandre de Prouville de Tracy l'ordre de retourner en France pour une période indéfinie. Après 24 ans à la tête de la colonie, ce magnifique serviteur de Dieu quitte donc Montréal pour de bon. Il s'installe à Paris, où il vécut dans l'ombre jusqu'à sa mort, le 9 septembre 1676. Ne s'étant jamais marié, de Maisonneuve n'a pas eu de descendance. Et maintenant, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs.
Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière pour une vie de plus en plus fidèle. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham s'en alla, comme le Seigneur le lui avait dit. Et Lot s'en alla avec lui. Parole du Seigneur. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de ça.
Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort et il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les amena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blanc comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, je vous disais en début de célébration que l'Église voulait profiter du carême pour évoquer l'élan missionnaire des hommes et des femmes qui ont contribué à la Fondation de Montréal et qui ont répandu la bonne nouvelle de Jésus. Vous savez, nous sommes en 2017, il y a encore des personnes, des hommes et des femmes, qui se préoccupent aussi de répandre cette bonne nouvelle. Alors, ce matin, nous avons invité Madame Danielle Lorrain, missionnaire laïque, à venir nous présenter son propre témoignage et à qui nous souhaitons la bienvenue parmi nous.
Bonjour tout le monde. Alors, comme l'abbé vous a dit, mon nom est Daniel. Je suis missionnaire laïque depuis maintenant 14 ans. C'est un appel que j'ai depuis que je suis vraiment très petite parce que j'allais pas encore à l'école. J'avais à peine 4 ou 5 ans. La première fois où j'ai pris conscience qu'il y avait de la pauvreté dans le monde, et puis ça m'avait vraiment surpris parce que dans ma naïveté d'enfant, moi je pensais qu'on était tous égaux, qu'on avait tous la même chance. Alors je me suis vraiment sentie privilégiée, aimée, bénie. C'est sûr que c'est pas ces mots-là que j'ai utilisés à cet âge-là parce que j'étais trop jeune pour savoir c'était quoi une bénédiction. Mais la vraie question que je m'étais posée à l'époque, c'était pourquoi c'est eux qui sont pauvres, pourquoi c'est pas moi? Alors déjà à cet âge-là, je savais qu'un jour j'allais faire quelque chose pour aider mon prochain. Mais entre-temps, les années ont passé et puis j'avais grandi, choisi de me marier, avoir des enfants. Alors c'est seulement quand mes enfants sont devenus de jeunes adultes où j'ai eu la chance de partir en mission. Et puis mon cœur était d'aller au Burkina Faso, en Afrique. Mais le Seigneur en a décidé autrement et puis je me suis retrouvée à Calcutta en Inde. Alors c'est auprès des sœurs missionnaires de la Charité, qui sont la congrégation de Mère Teresa, où j'ai eu la chance de faire mes premiers pas dans l'humanitaire. Et puis mon premier voyage a été de 4 mois et demi. Et puis au cours de ces 4 mois et demi-là, j'ai touché à peu près à toutes les maisons de Mère Teresa, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et puis le dernier travail que j'avais fait avec les sœurs et les bénévoles qui étaient sur place, c'était ce qu'on appelait le travail de rue. Alors à chaque matin, on se levait très très tôt, autour de 4 heures le matin. Et puis on partait avec des sacs à dos qui étaient remplis de médicaments, de nourriture, d'eau, de tout ce qu'on avait besoin finalement. Et puis on s'en allait dans les quartiers très très pauvres de Calcutta, qu'on appelle les slums. Et puis on allait au-devant des gens, soit pour les nourrir, soit pour panser leurs plaies. Et puis lorsque les plaies étaient vraiment trop importantes, à ce moment-là, on les ramenait avec nous au mouroir de Mère Teresa, qui est devenu un peu, avec les années, l'urgence des pauvres. Alors les gens recevaient sur place tous les soins dont ils avaient besoin. Et puis, quand ils étaient guéris, la deuxième tâche qu'on nous assignait, c'était d'aller les reconduire exactement là où on les avait trouvés. Et puis, on les laissait sur place avec un sac de mori puis un litre d'eau potable. Pour vous situer un petit peu, du mori, c'est la nourriture des pauvres en Inde. Ça ressemble beaucoup, beaucoup à ce qu'on connaît chez nous du Rice Krispies. C'est une espèce de riz sec soufflé que les Indiens vont mêler avec de l'eau. Et puis au moment où c'est ingéré, ça vient couper, si vous voulez, la douleur que causent les crampes d'estomac quand on a faim. Alors on les laissait sur place avec ça. C'était naturellement immensément difficile pour eux de revenir à la case départ, mais c'était aussi très, très difficile pour nous parce que les gens, ils s'accrochaient à nous, ils nous suppliaient de ne pas les laisser. Puis malheureusement, on n'avait pas d'autre endroit où on pouvait les amener. Alors, une journée où j'avais trouvé ça particulièrement difficile parce que j'avais laissé une jeune maman avec 3 enfants, des seringues, parce qu'elle était diabétique, elle était aveugle, elle était près de la voie ferrée. Alors, j'étais vraiment inquiète pour eux, puis je priais beaucoup pour eux. Et puis, à mon retour au mouroir, j'avais demandé à Sister Pilling, qui était en charge du mouroir à ce moment-là, comment ça se fait que dans tout ce qu'elle a fait ici en Inde, comment se fait-il qu'il n'y a pas une maison de transition, un endroit où ces gens-là pourraient être réinsérés socialement d'une façon ou d'une autre? Et puis, Sister Pilling m'avait fait comme réponse à ce moment-là que Mère Teresa, dans son immense foi en Dieu, mais elle était convaincue que Dieu allait mettre sur leur chemin quelqu'un d'autre pour faire ce petit bout de chemin-là avec eux. Alors naturellement, moi, c'est venu chercher encore une fois cet appel-là que j'avais depuis que j'étais toute jeune. Et puis c'est vraiment à ce moment-là de ma vie où j'ai décidé de donner ma vie à Jésus à ma façon, où je me suis dit, mais pourquoi ce serait pas moi qui essaierais pas de faire ce tout petit bout de chemin-là avec eux? Alors à la fin de mon séjour, quand je suis revenue au Canada, dans mes prières, j'ai demandé à Dieu, « Seigneur, si c'est vraiment toi qui m'appelle, si c'est vraiment toi qui me veux dans cette mission-là, d'abord,
merci de m'emplir de force puis de courage aussi pour que j'aie le courage de laisser derrière moi temporairement ma petite famille, mes enfants, mes petits-enfants, frères et sœurs. Et puis surtout, merci de m'emplir de l'Esprit-Saint pour que toujours je le fasse dans l'amour que Jésus nous demande d'avoir les uns pour les autres. Et puis au fil des semaines qui ont suivi, en parlant avec des amis laïcs, des prêtres également avec lesquels je suis amie, on est un tout petit groupe qui a formé Mission Partage. Et puis depuis qu'on est avec Mission Partage, comme je le disais tantôt, ça fait 14 ans, ce qu'on a accompli en Inde, c'est qu'on a maintenant une maison de transition justement pour ces gens-là qui s'appelle Achabari. Alors, à leur sortie du mouroir, on reçoit les hommes et les femmes et on leur permet d'apprendre des petits métiers. Pour les hommes, ça peut être cordonnier, menuisier ou encore barbier. Et les femmes, c'est plus au niveau de la couture, de la fabrication de bâtonnets d'encens, parce qu'il se vend beaucoup d'encens en Inde. Et ça fonctionne très, très, très bien. On leur donne leur petit kit de départ. Et puis ensuite, ils fonctionnent par eux. Ils ont formé une espèce de petit micro-organisme avec ça. Et puis, ils fonctionnent vraiment à faire des dépôts, des emprunts à même leur petite organisation. Et ils sont vraiment fonctionnels à l'intérieur de leur pays. Au niveau des enfants, ce qu'on a fait, c'est qu'on a épaulé le frère Xavier avec l'école, c'est une école orphelinat à Nandapali, où on a maintenant plus de 250 enfants. Ce sont tous des outcasts, parce qu'il y a différentes classes sociales en Inde, et eux n'en font partie d'aucune classe. C'est pour ça qu'on les appelle les outcasts ou les impurs. Et puis ces jeunes-là vont servir à deux choses tout au long de leur vie. Ils vont servir à ramasser les cadavres dans les rues, puis ils vont aussi servir à ramasser les excréments dans les rues. Ça a l'air terrible à dire comme ça, mais malheureusement, Calcutta a beau être une grande ville, il n'existe pas, comme on connaît chez nous, des toilettes publiques. Alors les gens qui vivent à la rue, qui sont souvent des travailleurs comme vous et moi, mais il n'y a pas de logement pour tout le monde. Alors, quand on vit à la rue, il n'y a pas de cuisine, pas de salon, pas de toilette. Alors, les gens n'ont pas le choix que de faire leurs besoins à la rue. Alors, le long des trottoirs, il y a des espèces de petites gaulées comme ça qui longent les trottoirs. Et les gens vont s'accroupir au-dessus de ça et font leurs besoins. Alors, comme en Inde, la dame porte le sari et l'homme porte le lungi, il n'y a rien qui est à découvert. Les gens font juste faire ce qu'ils ont à faire. Et puis, les outcasts vont disposer de ça au cours de la journée. Et en échange, on leur donne un peu d'eau au creux des mains, puis une petite poignée de riz blanc. Alors, naturellement, le frère Xavier voulait sortir ces jeunes-là, ces jeunes adultes-là du monde de la mendicité. Et puis, il a formé cette école-là, et nous, on l'appuie. Et encore là, c'est un projet qui fonctionne très, très, très bien parce que maintenant, on a plusieurs grands garçons qui seraient âgés d'autour de 17-19 ans et qui travaillent à réparer des ordinateurs, donc qui sont vraiment très fonctionnels à l'intérieur de leur pays. Et on a bon espoir qu'avec les années, avec le salaire qu'ils gagnent, ils vont être capables de s'acheter une identité et de pouvoir fonctionner normalement comme vous et moi. Maintenant, au niveau du Congo, on a trouvé qu'il y avait une similitude au niveau des enfants. Au Congo, on les appelle les enfants soldats ou les enfants sorciers. Alors encore là, pour vous donner un exemple concret, le jeune Olivier avait 9 ans et puis il revenait de l'école comme à tous les jours. Et puis quand il est arrivé à la maison, sa mère était sur le point d'accoucher. Alors on a demandé à Olivier d'aller chercher de l'eau pour procéder à l'accouchement. Et puis, par le temps qu'il est allé et qu'il est revenu, sa mère était décédée parce qu'elle avait eu un accouchement difficile. Alors, on a attribué à Olivier d'être porteur d'un mauvais sort, donc d'être un enfant sorcier, et on l'a chassé de son village. Et de la façon dont on les chasse de leur village, c'est exactement ce qu'on lit dans la Bible. Ils sont lapidés, on leur lance des pierres. Alors, Olivier a été immensément béni d'être capable de se sortir de ça, de survivre à ça, parce que ce ne sont pas tous les enfants qui survivent à ça. Et puis, sœur Françoise l'a repris et l'a amené à l'orphelinat, et depuis, il a été scolarisé.
Maintenant aussi, on aide également les enfants soldats. Encore là, pour vous donner une histoire concrète, Ali a été pris comme enfant soldat. Et les rebelles ont passé dans leur village, ils ont rasé le village, ils ont mis le feu à toutes les maisons. Ils tuaient les hommes, violaient les femmes et prenaient les enfants pour en faire des enfants soldats. Alors lui et son frère ont été pris dans cet engrenage-là. Et puis il a passé avec les rebelles plus d'un mois. Et puis un soir de beuverie, où tous les rebelles étaient quand même étaient assez sous finalement, alors Ali a pris la chance de se sauver et puis il a couru avec son frère, puis ils ont couru jusqu'à ce qu'il soit vraiment à bout de souffle, où il n'était plus capable. Et puis quand il s'est retourné, son frère n'était plus là. Alors il voulait pas crier parce qu'il avait peur de se faire repérer, parce que s'il se faisait repérer, c'est certain qu'il se faisait tuer. Alors, il a juste continué son chemin et il n'a jamais revu son frère. Et lui aussi a été récupéré par Sœur Françoise et elle l'a amené à l'orphelinat. Et Ali, pendant plus de 2 ans, Sœur Françoise pensait qu'il était sourd et muet parce qu'il ne répondait à rien, il ne disait pas un mot. Et puis moi, comme j'allais d'année en année et que je m'occupais beaucoup d'Olivier parce que je m'étais attachée à cet enfant-là, et puis je lui avais apporté un tam-tam parce qu'il aimait bien jouer, il prenait le plat à vaisselle qui tournait à l'envers et puis il aimait bien jouer là-dessus. Alors j'avais apporté un tam-tam et puis c'est seulement durant la 2e année où Ali est venu me voir et puis qui m'a demandé « Est-ce que tu veux m'adopter moi aussi? » Et puis je lui ai dit « Mais malheureusement, légalement, je ne peux pas t'adopter, mais je te promets de prendre soin de toi, par exemple. » Alors, d'année en année, on a toujours continué de prendre soin de ces enfants-là, de les scolariser. Aujourd'hui, Olivier termine son 6e secondaire, parce qu'ils ont 6 secondaires là-bas. Et puis, l'an prochain, il entre à l'université et il aimerait être médecin. Alors, nous, depuis 4 ans, Mission Partage, ce qu'on fait, c'est qu'on ramasse des fonds 2 fois par année. Là, aujourd'hui, les fonds qui vont être ramassés vont être exactement pour ça. C'est pour les bourses d'études, pour permettre à ces orphelins-là de pouvoir étudier, de pouvoir arriver à prendre soin d'eux-mêmes un jour. Alors, il faut... On leur donne justement cette chance de pouvoir étudier et les fonds d'aujourd'hui vont aller pour ça. Maintenant, à l'hôpital général du Lakeshore, là où je travaille, souvent les gens me demandent « Daniel, pourquoi tu choisis de faire ça? Pourquoi à chaque année tu t'en vas dans ces pays-là? » Mais la réponse, elle est simple. Moi, j'y crois du plus profond de mon cœur au super beau message que Jésus nous a laissé quand il nous a demandé de nous aimer les uns les autres, puis pour moi, ça implique aussi de prendre soin les uns des autres. Et puis la deuxième raison, c'est que si vraiment je fais le même exercice que j'ai fait quand j'étais petite, si je prends 2 minutes pour changer de place avec eux, je vous assure que je serai la première sur mes genoux à implorer Dieu pour recevoir de l'aide, parce que pour moi, ce sont des survivants pour arriver à survivre dans des conditions qui sont aussi difficiles que ça. Et puis, une autre question qu'on me pose souvent, c'est qu'on me demande, « Oui, mais Daniel, en toute sincérité, là, est-ce qu'on change vraiment quelque chose dans leur vie? » Puis moi, d'emblée, je vous dis que oui, parce que à tous les jours, je la vois, cette différence-là. Les enfants, quand on les trouve, ils sont comme vides, ils sont comme éteints. Ils ont été rejetés par leurs parents, leur village, l'État, ils ont été rejetés par tous. Alors, ils ont comme plus d'espoir, ils sont comme éteints. Et puis, par le temps qu'on arrive à leur redonner confiance, qu'on arrive à leur prouver que d'année en année, on va être là, on va être encore là, puis qu'on revient, mais les yeux rallument. Puis moi, c'est cette lumière-là dans leurs yeux qui m'impressionne. Je vous en parle, puis j'en ai les frissons à chaque fois que je le dis. C'est cette lumière-là, moi, qui me dit « oui, on continue, oui, ça vaut la peine ». C'est beaucoup plus que le dollar qu'on leur apporte, c'est vraiment cet espoir-là qu'on remet en eux. Alors, en gros, c'est ce qu'on fait dans nos projets là-bas. Alors maintenant,
À la fin de la messe, il va y avoir des gens à l'arrière pour recueillir vos dons. Ceux et celles qui veulent donner, vous êtes plus que bienvenus. Mission Partage émet les reçus de charité également pour les montants de 10 $ et plus. Alors, ceux et celles qui voudront des reçus de charité, à l'arrière, sur les tables, il y a des enveloppes au nom de Mission Partage. Assurez-vous de m'écrire lisiblement vos noms et adresses pour que je puisse vous relire et vous retourner par la suite vos reçus de charité à la maison. Et vous pourrez ensuite déposer cette enveloppe-là dans le panier et vous allez recevoir les reçus d'ici 2 ou 3 semaines au plus tard. Et puis, une autre question que les gens me posent souvent, quel est le pourcentage d'argent qui se rend directement pour les enfants? Alors, depuis 14 ans, c'est plus de 97 % de vos dons qui se rendent directement à eux ou sur les autres projets que nous faisons. La différence me sert à émettre les reçus de charité, justement, payer les timbres et les enveloppes, mais tout le reste se rend directement là-bas. C'est moi-même qui, à chaque année, apporte l'argent. Alors, en terminant, je veux vous dire un immense merci de votre patience, de m'avoir écouté. Merci à l'abbé Nelson de m'avoir reçu avec vous aujourd'hui. Mais d'abord et avant tout, merci à Dieu, parce que pour moi, Mission Partage, c'est pas Daniel Lorrain, c'est d'abord et avant tout Dieu qui travaille à travers moi, mais qui travaille également à travers chacune des personnes qu'il met sur mon chemin. Alors, merci de faire partie de ce beau périple d'amour et de partage avec moi. Merci, bon dimanche. Alors, merci bien, Daniel, de ce touchant témoignage. Nous ne partons pas tous et toutes en mission nécessairement, mais nous pouvons y participer par nos prières, bien sûr, par un soutien spirituel et également financier. Donc, Daniel vous l'a mentionné, ce sera possible d'apporter votre contribution à la fin de la messe à l'arrière de l'église et puis vous pourrez lui poser toutes les questions que vous désirez et elle sera disponible. Maintenant, si vous voulez bien, nous allons nous lever pour qu'ensemble nous puissions professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. La transfiguration de Jésus fut un moment de parfait bonheur. Demandons à Dieu notre Père de donner à notre monde la grâce d'être touché par la lumière fulgurante de son Fils. Prions pour que le travail rigoureux des archéologues et des historiens aide les gens de foi à découvrir vraiment qui est Jésus. Prions pour que l'expérience chrétienne de la transfiguration ne soit pas freinée par les doutes concernant l'identité profonde de Jésus, le Fils de Dieu. Seigneur, nous te prions. Prions pour les théologiens, les théologiennes et les catéchètes qui ont pour tâche de poursuivre avec intelligence et justesse la recherche de Dieu. Seigneur, nous te prions. Prions pour que nos célébrations liturgiques soient des moments forts de rencontre avec Jésus transfiguré, afin de mieux en témoigner. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, exauce notre prière pour que se multiplient les signes de la présence de ton Fils dans la diversité du monde.
Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles et les prépare à célébrer les fêtes pascales. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Créateur de l'univers et source de toute vie. Car tu n'abandonnes jamais ce que tu crées dans ta sagesse, mais tu te montres bienveillant, toujours à l'œuvre parmi nous. Louange et gloire à notre Dieu. Dans les temps anciens, en déployant la force de ton bras, tu as guidé ton peuple Israël à travers le désert. Aujourd'hui encore, tu accompagnes ton Église dans sa marche au milieu du monde, tu la soutiens de ton esprit et tu la conduis sur les routes de ce temps, vers la joie éternelle de ton royaume par notre Seigneur Jésus le Christ. Louange et gloire à toi. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Béni soit celui qui vient en son nom, celui qui vient au nom du Seigneur. Le Dieu de l'univers.
le Dieu de l'univers. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour les disciples d'Emmaüs, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. Invoquons avec foi la puissance de Dieu, que l'Esprit de sainteté sanctifie nos offrandes. La veille de sa passion, la nuit de la dernière sainte, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. » Ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Inoltre Marte farà ingresso nel vostro segno portando grinta e vitalità. Non solo vi sentirete bene con voi stessi, ma riuscirete anche in tutti i vostri intenti. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton Esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Invoquons avec foi la puissance de Dieu, que la force de qui nous invite à cette table, Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans l'unité. Souviens-toi de ton peuple, Dieu t'est bon, souviens-toi. Alors, en suivant les chemins, avançant dans la foi et l'espérance avec le pape François et notre évêque Christian, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers, nous pouvons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi de ton peuple, Dieu très bon, souviens-toi. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ.
et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Souviens-toi spécialement ce matin de Manuel Soares Pereira, sans oublier bien sûr tous nos parents et amis défunts. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Souviens-toi de ton peuple, du très bon, souviens-toi. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Souviens-toi de ton peuple, souviens-toi. En union avec la Vierge Marie, l'Immaculée Conception, la Bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints et saintes du ciel, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père, dans l'unité du Saint-Esprit. Et maintenant, comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous disons avec confiance la prière que nous avons reçue de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. »
les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, comme sur la montagne de la Transfiguration, cette communion ne dure qu'un instant. Pourtant, c'est ta gloire qui passe et nous touche de sa splendeur. En toi, notre émerveillement. Aide-nous à marcher avec fidélité à travers l'obscurité et les peines de cette vie pour rejoindre un jour celui qui est maintenant dans la lumière, Jésus, ton Fils, notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen.
Je veux remercier le Quatuor qui nous accompagne, bien sûr, au cours de ce carême à tous les dimanches. Un grand merci, c'est bien apprécié. Et prochainement, ce sera l'abbé Gagnon qui me remplacera pour très peu de temps. Alors, je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine. Portez-vous bien. Et maintenant, je vais vous bénir. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Thank you.